Allez, salut. Ouais, bisous. Ouais. 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 Ça va? Hey, ça fait longtemps, mec. Je suis désolé, aujourd'hui, ça va pas être moi. Hein. Ça va être mon poteau, là. Il est en réinsertion. Donc, je lui laisse une petite chance, tu vois. Donc, je vais te laisser avec lui, tranquille. Ça va? Ouais. Donc je te laisse avec lui tranquille et tu me diras à la fin comment ça se sera passé. Allez, ciao. Allez, vas-y, c'est à toi là. Ah, ouais, vas-y, casse-toi. Oh, bonjour, ça va? Ouais. C'est mon premier jour. Ouais. Donc, j'ai ramené mes accessoires, tu vois. Qui porte bonheur. Qu'est-ce que tu veux? Me réponds pas comme d'habitude parce que moi j'ai pas l'habitude. Donc vas-y, dis-moi. Ouais. D'accord. Ah. Tu veux pas que je te coupe les cheveux? Ouais, bah là, mec, ça va être un peu difficile. Parce que t'es chez le coiffeur. Et même si c'est pas le coiffeur habituel, je vais te couper les cheveux. Donc dis-moi ce que tu veux, s'il te plaît. Sinon, j'appelle la police. Ah, je déconne. Je vais pas me faire niquer deux fois. Donc, ce que je te propose, hein, c'est que je te coupe un peu la barbe. Parce que là, mec, c'est dégueulasse. J'ai jamais vu ça. Alors, si tu veux pas, tu en touches pas tes cheveux. Moi, je m'en bats un peu les steaks. Par contre, la barbe, là, ça va pas, tu vois. Parce que, déjà, elle fait 25 cm à vue de pied. Donc, moi, je te propose soit je la coupe. Soit on la boucle. Ouais. Ah, d'accord. Pour faire les deux, ça va te coûter plus cher. Ouais, ouais. Évidemment. Alors, combien ça coûte? Ouais, on verra à la fin. C'est quoi? Prépare la thune. Hein? De toute façon, ça va être cher. Donc, t'as choisi le max, on y va. Allez. Je vais te mouiller la barbe déjà parce que tout le monde fait ça. Ça a l'air d'être de l'eau. Donc, on y va. Ça va, t'aimes bien? Ouais. Je te rappelle que c'est ma spécialité, hein, les trieurs. Donc, ça, c'est un trieur, oublie pas. Ouais. Bon, s'il est en plastique. Mais, si tu veux, je t'en ai ramené un, là. Au cas où. Ouais, je sais ce que tu vas te dire, mais le mec, il est en réinsertion, il se promène avec un flingue, c'est pas normal. Je sais, je suis en réinsertion. J'ai pas dit que j'étais déjà réinséré. Donc il faut que je m'habitue. Tu vois, c'est progressif. Donc là,
Bah déjà, tu vois, je passe moins de temps avec lui et plus de temps avec les triggers en plastique. Donc maintenant que ta barbe elle est mouillée, parce que le temps qu'on parle, bah ça sèche. Je vais te la peigner parce qu'elle est grande. Un peu comme la mienne. C'est incroyable. J'ai jamais vu une barbe aussi longue, aussi grande. Voilà. Là, t'aimes bien? Ouais. Regarde, je vais essayer de te la montrer là. Parce qu'il n'y a pas de miroir. Ici, c'est pas c'est quoi comme coiffeur de merde. Si j'arrive à peigner le. Tu vois ou pas? Un délire. Alors. Maintenant. Du coup, tu veux que je te la coupe et que je te fasse des frisottis là, des boucles. Alors. Ouais, je crois que pour couper, dans le métier, on utilise des ciseaux. Comme ça. Comme ça qu'ils font là. Ils font ça toute la journée. Bien. Ok. Et puis, bah voilà, donc je vais te la prendre comme ça. Comme un bouquet de fleurs. Voilà. Ok. Et puis maintenant, je coupe. Ça coupe pas très bien cette merde. J'ai l'impression de tailler un bouquet, je sais pas, une haie. On m'a pas dit que je ferais de la jardinerie, mais enfin. C'est pas grave. J'aime bien aussi, tant que ça paye, hein. Ah, je parle beaucoup. Ouais, désolé, j'ai pas l'habitude de me déplacer pour travailler. D'habitude, c'est les clients qui viennent. Tu vois ce que je veux dire? Ah putain, j'en ai partout avec tes conneries. Regarde-moi ça. Comment je vais faire? Regarde. Pourquoi t'es pas blond? Hein? Au moins ça se verra pas. Il a fallu que monsieur soit brun. Ouais. Bah ouais, bah attends, je t'enlève un peu parce que du coup, t'en as aussi quoi. Ah, t'es content. Tu m'en as quand même foutu partout. Attends, je continue, hein, parce que là, j'ai fait une petite partie. Bah voilà, tiens. Je suis ambidextre maintenant, tu vois. Ouais. Ouais. Tiens, je pourrais faire un vrai coiffeur, parce que je parle beaucoup. Ah ouais, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'on lit. Non, ouais, je m'en bats les couilles de ta vie, donc tu peux. C'est moi qui parle, ok? Voilà. C'est ça. Allez, hop. On va remettre un peu de flotte. Trigger, oublie pas. Une fois que je serai bien réinséré, peut-être que je repasserai au trigger habituel, si tu vois ce que je veux dire. Ah. Mais bon, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Puis j'ai pas trop envie d'aller voir de gens qui servent à prédire l'avenir, hein, pour me le dire. Je vais pas me faire niquer deux fois non plus.
Ça, par contre, j'ai déjà dit deux fois, tu vois. Comme quoi, c'est une mise en abîme. Et hop là. Voilà. Petit coup vers le haut. Hop. Alors, on continue. Hein. Je sais pas ce que je fais. Hein. Je coupe, je raccourcis. Tu m'arrêtes si tu vois que c'est de la merde. De toute façon, quand tu vas chez le coiffeur, en général, les gens, ah, ils osent pas dire que c'est de la merde puisque c'est trop tard. Allez, on continue. Ah, bref. Voilà. C'est excitant, tous ces petits cheveux. Hein? C'est de la barbe? Ouais, vas-y. Ta gueule. Et je vais me couper bientôt avec ces conneries. J'en ai encore partout. Merci, le brin. Ah putain, j'en ai dans l'œil. Oh! T'es pas facile, toi. Hein? Et voilà. Maintenant, on va passer. Non, on va pas sécher, on va peigner. Que pour les boucler, tu vois, c'est comme un brushing, il faut que ce soit déjà mouillé. Enfin, je crois, hein. Je suis pas un expert, c'est mon premier jour. Mais ça doit pas être. Sorcier. Ah, t'es bien là. Attends, tu sais quoi, je me mets à genoux parce que. Faut faire le dessous. Ok. Alors, je vais t'expliquer un truc. N'y a pas de truc à bigoudi. Donc, j'ai ramené les miens. Admire l'ingéniosité du type. Voilà. Voilà les bigoudis. Spécial barbe parce qu'ils sont tout petits, tu vois. Donc il y en a 6. On va essayer de faire toute la barbe avec. Puis voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il en manque un pour une. Et la coquine. Donc voilà. Et comme il n'y a pas de pince non plus, j'ai ramené les miennes. J'ai dit que j'avais des accessoires. Je suis pas fou non plus. Les petites pinces à cheveux. Alors. C'est simple, ce que je vais faire. Je vais peigner. Un truc comme ça. Puis je vais enrouler. Regarde. Hop là. Tac, tac, tac. Tu vois le truc? Comme ça. Et après, une fois que c'est bien enroulé, je mets la pince. Et voilà un bigoudi. Hop, voilà un. Ça t'a une belle barbe frisée. Une belle barbe de grand-mère. Hop, la balle, un. Enfin, le bioudi, pardon. Je roule.
Ça, c'est toute une spécialité aussi. Voilà. Hop. Je roule autour de la balle. Et je pince. Voilà. Next. Alors attends, le pain. Il est parti où ce bâtard? Ah, il y a une chose. Voilà. Alors, hop, je prends les plus grands cheveux. Enfin, un poil de barbe. Tu m'as compris. La balle. Hop. J'enroule comme ceci. Comme ceci. Oh. Comme si on était à la boulangerie. Et je pince. Voilà. On en a trois là, c'est déjà assez space, mais ça se pèse pas trop lourd, ça va. Ouais. Hop, le pain. Hop. La balle. La bouboule. Hop là. Et voilà. Quatrième. Encore deux. S'il reste des cheveux, tant pis pour toi. Fallait avoir... Enfin, des poils de barbe, pardon. Si t'en reste, il fallait avoir moins de barbe. Désolé. C'est l'atmosphère un peu. L'eau qui fume des terres, mon gars. On peut plus respirer ici. Hop. Hop. Voilà. C'est pas mal, hein. Tu ressembles à l'autre pirate, là. Petit coup de peigne. Bigoudi. On fait le tour. On roule. Et pince. Et voilà. Bon, alors, dommage qu'on soit en 1982 parce que sinon j'aurais pris une photo. Sauf que voilà. Ouais. Alors là, maintenant, il faut que ça sèche. Donc, attends là. J'ai passé 2-3 coups de fil. Ne m'en veux pas. Ça se passe bien, les gens sont accueillants. Ouais. Ah, d'accord, ok, ouais, je ferai gaffe. Ouais, merci. Ouais. Allez, ciao. Désolé, ça va durer un peu plus longtemps que prévu. Allô? Ouais, ça va. Attends, j'entends que dalle avec cette connerie. Ce qui fait chaleur à mourir. Ouais. Non.
Ah. Ah ouais. Ouais, d'accord, ouais. Ok. Ouais, ok, vas-y, ouais. Ouais, ta gueule, qu'est-ce que désolé. Un petit dernier. J'ai merdé. Ouais, t'as répondu vite. Ouais, ça va. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, bon, attends, je sais pas pourquoi je t'ai appelé, en fait, il faut que j'aille m'occuper de l'autre là. Ouais, bah tu sais, je suis au coiffeur là, truc de. Non, je vais pas m'occuper du coiffeur. C'est pas moi le client. Bah oui, tu sais. Voilà. T'as tout compris, voilà, allez, je te laisse. Ouais. Allez. Ah. Ok. Ouais. Allez, bisous. Bisous. Putain, ils sont casse-couilles aujourd'hui. Alors, bah je vais te sécher parce que ça a pas l'air de sécher en fait. Petit coup de sèche-cheveux, ma gueule. Tu sais quoi, ça sèche pas. Je sais pas, t'as les trucs gras, les poils gras, j'en sais rien. C'est pas normal. Ouais. Tu sais quoi? J'ai une tactique. Bouge pas. Voilà. On va user un peu de vraie chaleur. Je te montre. Tu vois? Eh ben, on va faire ça sur ta barbe. Ouais, exactement. Ça séchait en 2 secondes, c'est incroyable. Hop, je vais ranger ça parce que. Sinon, le patron, il va pas être content. Ah, c'est un délire, et ça t'a même fait des petites fourches au bout des cheveux. Ouais, je te jure. Ouais. Regarde. Attends, je vais te prendre un échantillon. Ouais, ça va. Voilà. Pas si tu vas bien voir. Mais du coup, on dirait du tabac. Ah, c'est un délire. Je pourrais presque le rouler comme ça. Et t'en as plein comme ça partout. Mais pas dans la barbe. De toute façon, tu m'as dit, on fait que la barbe. Donc les cheveux, on s'en fout si c'est niqué. Ouais, nickel. Ça te va. Parfait. De toute façon, t'as pas le choix, comme je t'ai dit. Quand c'est raté, c'est trop tard. Je t'enlève les bigoucus, là. Hop. Eh, ça marche vraiment plus, c'est ça le truc. Hop. Ah. J'ai oublié de garder la balle. Un peu con des fois. Regarde. Ah, c'est léger, mais tu sais. Je peux pas tout faire non plus, hein. Je suis pas coiffeur. Tu m'excuseras. Hop là. Voilà. Hop, ça fait 2 fois. C'est la journée des 2. Et normalement, c'est la dernière. Voilà. Magnifique bouclette. On dirait un SDF. Ce que tu recherchais de toute façon. Je te remets un coup de.
Tiens, j'aime bien ce peigne. On dirait une arme. Ouais, c'est marrant. Du coup, je vais te peigner avec. Si tu me le permets. Voilà. Putain, c'est beau, hein. Bon, le haut, je dis pas, parce qu'on a un peu niqué. Mais là, le bas, c'est incroyable. Mais une casquette, voilà, fais comme moi. Où ça? Un bout de crâne. Je vais reprendre mes outils. Hein, parce que, en fait, y a pas d'autres clients après. Y'a pas d'autres. 1, 2, 3, 4, 5. Si, il en manque un. Il en manque un. 1, 2, 3, 4, 5. Bah alors? Bah alors. Bah il a dû tomber. Hein. Est-ce qu'il est encore ce bâtard? Ah, il est en dessous. Voilà. Je l'ai. Alors c'est parti. On range. Aïe. Si un jour t'as envie, on se fait une petite roulette russe à 6 balles, ok? Ouais. Je te file pas mon numéro parce que j'en ai pas. Bah ben voilà, c'est fini. Je peux te sécher un peu la gueule si tu veux. Voilà, on est bien. Alors, si t'as envie, non, je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Ouais, c'est le moment où tu me payes. Ouais, du coup, vas-y, allonge. Hein. Je t'ai pas besoin de te préciser, c'est écrit devant. Merci. Eh mais je te connais, toi. T'es le mec qui met des élastiques? Ok. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Ouais, bah tu sais quoi? Je te rends ça parce que je suis persuadé que c'est toi qui as appelé la voyante l'autre jour, hein? Donc, je te le rends. Voilà. Et puis tu recommences pas, tu reviens pas, je veux pas te voir. Allez, ciao. Bisous. Salut. Ah putain, journée épuisante. Hein. Ouh là là. Moi. C'est fini. Je me casse. Ah, je crois que j'oublie ma thune quand même. Allez, ciao les mecs. Hasta la vista.